Oh pardon, vraiment désolée, j'ai pas fait exprès. Quelle entrée. Ouais, j'ai encore raté une chance de pas me faire remarquer. Enchantée, je m'appelle Ondine. Angèle, si tu s'en prends toujours plein la gueule. Ça me rappelle une fois, je suis tombée dans les escaliers, je me rappelle encore, c'était trop marrant. Alors, vous avez pris toute votre maison avec vous? Moi, c'est Margot. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Moi, c'est Lindsay, je serai votre animatrice durant votre séjour. Vous êtes là parce que vous en avez marre des bagnoles, du plastique et du béton. Et bien, ça tombe bien parce que je vous ai préparé un programme 100% nature. En tout cas, c'est cool, je vois qu'on a déjà notre reporter photo. Vous avez soif? Vous avez vu sa chemise? Elle est trop stylée. Grave, t'as raison. J'adore ce style vintage. Je crois que j'en ai vu une à peu près pareille à la friperie l'autre jour. La friperie? C'est pas le truc pour lui. Bah, bah cool. Ah ouais? Je crois que c'était juste pour les clochards. Vous croyez qu'elle est vegan aussi? Qu'elle broute de l'herbe? En jus, on a du jus 100% bio et local. Et bien sûr, à votre disposition, vous avez des pailles en inox réutilisables. Excuse-moi de te déranger, mais le thème du camp, c'est l'écologie. Et toi, tu te ramènes avec une canette. C'est comme si tu étais invité à une fête thème fluo et que toi, tu te ramenais en gothique. Ça se fait pas. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Je fais ce que je veux. Retourne avec tes boutons de copain. T'as l'air vachement motivé, mais c'est flagrant. Ça se voit tant que ça. J'étais venue pour faire du scooter des mers, moi, pas pour ramasser des déchets sur la plage. Franchement, ça me gâle. Tu crois que je suis venue pour quoi, moi? Pour faire du yoga, manger bio avec de la fonte berger? C'est ma débile de mère qui m'a inscrite ici. Pareil pour moi. Je vois que nos parents ont beaucoup de points en commun. Voilà que je me retrouve à jouer le larbin pour l'INSEE, la super animatrice qui va apprendre à remplir ma poubelle. Mais voyons, Mathis. Elle veut te convertir à l'écologie. Bientôt, elle t'habillera avec des déchets, comme elle. On peut s'asseoir? Ouais, allez-y. Ah, au fait, Angèle, trop dégueu comment elle t'a poussé tout à l'heure. Vraiment, ça se fait pas. J'aurais été toi, je l'aurais tapé. Comment elle s'appelle déjà? C'est Thémis, je crois. Thémis. Quand tu penses que dans la mythologie grecque, Thémis est la déesse de la justice, ça me fait plutôt bien marrer. En tout cas, moi, ça fait 3 ans que je viens dans ce camp et j'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi désagréable. J'espère que l'INSEE saura la remettre en place. Ouais, elle a l'air cool, l'INSEE. C'était déjà elle l'année dernière? Non, je crois pas. Je la connais pas, mais elle a l'air sympa. J'espère que vous êtes prêts pour un cours qui nous concerne tous. Je veux parler des engins explosifs enfouis. Bon, je sais que ça peut paraître incroyable, mais on en découvre encore chaque année. Genre, on va tomber sur un obus. Oui, week-end à Zbitcote, le retour. De quoi tu parles? Non, rien, laisse tomber. La guerre a laissé sur nos plages d'effondrement maritime des obus qui peuvent encore exploser. C'est pourquoi il faut y faire attention. Si un jour vous tombez sur un obus, n'oubliez surtout pas qu'il ne faut pas le déterrer. Si bien sûr vous voulez rentrer chez vous en un seul morceau. Je vous ai préparé une petite activité en milieu d'une mer avec un guide nature. Parce que je peux vous dire que sous vos pieds, il n'y a pas que du sable et que la dune a beaucoup de choses à nous apprendre. Et maintenant les enfants, activité bac à sable. Oh, regardez, j'ai déjà trouvé un gros déchet. Vite, je vais le jeter à la poubelle. C'est très drôle. Hé, vous faites quoi, là? Ah non, mais t'inquiète, l'INSEE, on arrive. Bref. On a aidé Angèle à se relever, elle est pas très stable dans le sable fond. Pas de paddle pour vous trois cet après-midi. Oh, on s'en fout, le paddle, c'est pour les vieux. Ici, vous êtes entrés dans un espace protégé, un espace naturel où on s'efforce tant bien que mal de protéger la nature, les espèces animales, ou les oiseaux, les espèces végétales, tout ce qui peuple la dune. On essaye de sauvegarder cette dune pour nous éviter le fardeau de devoir faire des constructions supplémentaires pour protéger Dunkerque. On en parlait tout à l'heure. La dune ici, c'est une sorte de bouclier. C'est celle qui va nous protéger de ce qu'on appelle la submersion, des fois où, suite à une grosse tempête, on a une grosse montée des eaux. Ça évite que l'eau rentre dans les terres et n'aille envahir Dunkerque, Zuidcote, le Frankhoek. Donc on essaie de la maintenir en forme, pour qu'elle soit toujours là, ou au moins là le plus longtemps possible.
Oh, et regardez une combi, en plus je crois qu'elle est à ma taille. Vas-y, tu vas peut-être pas en préprimer, mais tu fais les poubelles. Clocharde. Connard. Céline ? Ouais. Pour combien tu nous prends le paddle là-bas et tu nous fais une petite démo ? Code 5. 1, 2, 3, 2. Allez, vas-y, on te regarde. Bon, vous regardez et puis vous faites pareil après les enfants. Puis au final, on en aura fait du paddle. Bon, j'espère que tout le monde est passé aux toilettes, parce qu'une fois arrivé sur l'eau, il est trop tard. Après, il y a une autre façon, et en plus, ça réchauffe dans la combi. Je vous passe les détails. Pied droit, pied gauche, ça n'a pas d'importance. Ça permet juste que, là, avec le vent, avec les vagues, si vous tombez à l'eau, la planche, en fait, elle reste accrochée à vous, on peut la récupérer assez facilement. Tu vas prendre ta caméra ? Oui, pourquoi ? T'as pas peur de la mouiller ? Non, il y a un boîtier étanche. C'est bon, il est pas encore tombé. Non mais je suis pas mis debout encore. Allez, poste tes deux bouts, faut que tu rames. C'est pas On va t'aider en équilibre. Allez. Allez, tu es. T'es trop sur l'avant, recule sur ta planche. Recule vers le milieu. Sinon assis, c'est bien aussi, non? Ondine ? Ondine ? Ondine ? Ondine ! Oh, déconne pas, remonte ! Mais elle est où ? Quelqu'un l'a vu plonger ? Je sais pas, ça fait un moment qu'elle a plongé ! Elle devrait déjà être remontée ! Ondine ! Ondine ! Quelqu'un l'a vu ! Elle est où ? T'as pas mis ton gilet, ça va pas! Allez, rentre tout de suite à la plage!
Mais ils sont où les trois zigotos? Je sais pas. Tu peux aller voir s'ils sont toujours dans les dunes, s'il te plaît? Ouais, j'y vais, je reviens. Oh, c'est bon, fais pas la gueule, tu vas la voir, ta Céline. Elle sait nager, t'inquiète. Yavin sait qui vous attend. Je peux pas regarder où je vais? Ça va, t'es insupportable comme mec. Oh putain de Sarah, ça déchire. Qu'est-ce que tu fous? Regarde ce que j'ai trouvé. Oh putain, l'animatrice avait dit qu'on pouvait trouver des obus de la guerre, c'est trop stylé. Oh le con, c'est tout ce que tu trouves à dire? Mais arrête-le, dis-lui d'arrêter, bon Dieu, il va tout nous faire sauter ce cinglé là. Oh ta gueule toi, tu vas encore nous faire une poussée d'urticaire. Mais il est cinglé, je te dis. Tu préfères qu'il t'éclate dans la gueule? Mais arrête-toi, bon Dieu, je tiens pas à mourir, moi. Moi non plus. Vous êtes dingue. Tiens, c'est bizarre. Vous croyez que c'est un lien avec le 14 juillet? Non, c'est normal. C'est une opération de déminage. Ils ont trouvé un obus hier. Ils l'auront fait sauter en bouclant la zone. C'est dégueulasse! Je pense qu'on est tous responsables quand on consomme sans réfléchir. Imagine, tu t'es acheté, je sais pas moi, un aspirateur il y a quelques années. Ou n'importe quoi, mais en plastique, genre électroménager pas cher. Au début, t'étais content et décidé à prendre soin de ton matériel. Et puis très vite, il s'est cassé sans que tu comprennes pourquoi. Ça s'appelle la dégénérescence programmée, un truc qui fait que tu vas toujours consommer. Je trouve ça complètement un scon. Tiens, en parlant de con, ils sont où les trois bouffons? Je sais pas. Ah ouais, donc je te disais que t'en as eu marre de ton matériel que t'aimes plus. Et que du coup, tu décides de le mettre sur une étagère, dans un carton, dans le garage. Et v'là, 3 ans plus tard, tu décides de ranger ton garage. Tu te dis, tiens, je vais ramener à la déchetterie. Oui, mais évidemment, on est dimanche et les déchetteries sont fermées. Et là, tu te dis, après tout, toi, t'es bien une bolleuse, là, tu... en fait, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, qu'est-ce que t'as?
Et Angèle, toute fière avec son sac poubelle. Il est extrêmement fier. Ça, après, c'est Mathis et Thémis qui font la gueule. Surtout Thémis qui font la gueule. Après, bah, il y a Charlotte. Toujours la patate. Simon le beau gosse. Et puis, bah, ça, c'était dans les dunes. Ah, Malena, c'est ça? Ouais. Bienvenue au camp de la dune. Merci. Je vous présente Malena. Salut. Salut. Elle pouvait pas être là dès le début, donc j'espère que vous allez bien l'intégrer. Angèle, tu peux lui montrer sa chambre peut-être? Oui, je peux faire ça. Ok, c'est cool. Bah, j'espère que t'as fait mon voyage. Cet après-midi, on va faire une dernière zone de nettoyage sur la plage. T'as déjà fait ça? Ouais, c'est ça, vas-y. Casse-moi pas les couilles avec ton écologie. Ok.